Ce matin, nous partons pour la journée dans la vallée de la mort, la dite vallée. Las Vegas n'est pas loin, et cette petite ville, avant le désert, possède aussi son casino. Dans la vallée, vous allez voir qu'il y a des montagnes sur les deux côtés. D'ailleurs, la vallée de la mort, c'est l'endroit où on a battu le record pour la température la plus haut au monde, 37 degrés, sous l'abri quand même. Hein. Le spectacle offert par la vue d'un an sur la vallée de la mort est grandiose. Ce territoire indien, longtemps inviolé, est l'un des spectacles de la nature les plus saisissants des États-Unis. Vieille de 2 milliards d'années, cette vallée creusée non par un fleuve mais par une ancienne mer asséchée de la période glaciaire, abrite, aussi surprenant que cela paraisse, une vie animale assez intense. La vallée est ainsi nommée car de nombreux pionniers en route vers la Californie y moururent de soif et d'épuisement en tentant sa traversée le jour de Noël 1849. Sur ce site mythique de Zabriskie Point, nous rencontrons une équipe de routards, amateurs de balades à moto dans ce no man's land désertique. Alors ils ont fait, regardez les couleurs à droite, le bleu, ça. Alors, il y a même un tennis, pour jouer au tennis, on est à 150 degrés. Et il y a un oasis, toutes ces... Le Furnas Creek Ranch est situé dans une oasis entourée par le vaste et aride désert du parc national de la vallée de la mort. Un musée de plein air rassemble l'ancien matériel du transport des personnes et des machines nécessaires aux mines d'où était extrait le borax.
que les dunes, ici il y a des dunes, il y a le sable qui s'accumule, qui fait des dunes, mais on va à droite et c'est marqué en anglais Sidewinder, c'est le nom d'un serpent qui...